Dans l'appartement d'un Coréen, première chose, il n'y a pas de clé en Corée. Toutes les portes ont un digicode pour déverrouiller la porte. Absolument tous les appartements en Corée ont un sas à l'entrée dans lequel on se déchausse. Hein. C'est impossible de rentrer dans un appartement avec des chaussures ici. Un autre point qu'on souligne pas souvent, mais c'est la hauteur des plafonds en Corée. Regardez, le plafond est juste au-dessus de la porte là. Je suis pas grand et si je lève le bras, je peux toucher le plafond. On a un plafond à peu près 2,30 m. Dans la salle de bain, il y aura toujours une paire de claquettes parce que même si on a une baignoire, il y a une évacuation d'eau supplémentaire là dans la pièce principale de façon à pouvoir nettoyer, ce qui fait que les Coréens font jamais trop attention quand ils utilisent le lavabo et on se mouille toujours les chaussettes. En Corée, il peut faire jusqu'à moins 20 degrés en hiver et plus 40 en été. On a des températures assez extrêmes, alors pour remédier à ça, on a du double vitrage. Il y a une première baie vitrée, puis une deuxième baie vitrée, et après on a toujours une moustiquaire parce qu'on a beau être au 30e étage, il y a des moustiques énervés en Corée. Et dans les résidences, on a aussi toujours cet haut-parleur qui permet aux gardiens de faire des annonces quand il se passe des choses dans la résidence.